Salut à tous et à tous, c'est Wedshooter. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'une maison presque parfaite. Donc c'est bon, j'ai lancé le petit chrono, le petit timer. Donc on va se retrouver pour un nouvel épisode d'une maison presque parfaite. On va s'attaquer au salon. C'est vrai que ça commence. Elle a de la gueule quand même, cette petite maison. Petite modification pour l'aventure suivie. Je suis en game mode puisque aller chercher toutes les ressources dans Fitobis, il y a vraiment beaucoup de ressources, ou vraiment beaucoup de machines pour faire un peu beaucoup de trucs. Ça prendrait beaucoup de temps. Faut trouver aussi la motivation de le faire. Donc voilà, j'ai demandé à Beben ce qu'il mette en game mode. Ça change rien, hein, vous pouvez toujours le refaire chez vous. Mais avec ou sans Feed the Beast, hein, il y a des trucs qui sont pas dans Feed the Beast qui fonctionnent très très bien. Voilà, donc ça change pas vraiment de trucs. Par que on va faire ça parce que je trouve ça pas très joli. Voilà. Donc voilà, ça change rien pour vous, ça c'est un peu mieux pour moi. Donc voilà, c'est quand même plus agréable. De comment on appelle ça, de pouvoir faire ça enfin en game mode quoi, mais en restant sur le serveur comme ça. Si vous trouvez la maison et que vous voulez vous y amuser, bah pourquoi pas. Faudra que je change l'entrée aussi, on ne s'inquiète quand même. Alors on va s'attaquer tout de suite aujourd'hui au salon qu'on va faire ici. Je pense aussi après faire une cheminée, pourquoi pas. Y a pas tant de lumière que ça, hein. On verra peut-être pour, je sais pas, rajouter les lumières au sol ou quoi. Okay. Bref, c'est pas notre sujet de papotage d'aujourd'hui. On va s'attaquer au comment on appelle ça? Au salon, voilà. Donc, il y a quelques petites techniques diverses et variées pour faire un. Attendez, on va juste. C'est vrai que. On va enlever la musique, hein. Plus la merde, hein, de toute manière. Voilà. Non, et vous voyez, ça aussi, je l'ai fait en solo. J'ai un peu modifié là-haut. Tac, tac. Voilà, je vais passer devant. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Donc voilà, il manque cette porte aussi à craft. J'ai modifié un peu ici, je trouve que ça fait quand même un peu plus joli, puisque Krakenplay me disait, oh, ça va faire bizarre de dormir quand il y a tout du verre et tout, sachant qu'il est un peu parano. Donc voilà, j'ai modifié ça. Hop, tac, cette porte est vraiment agréable, donc comme ça on peut aller se promener. Peut-être qu'il y a trop de verre en haut, je sais pas, je verrai par la suite. Mais bon, aujourd'hui on va aller s'attaquer au salon. Peut-être que j'y mettrai une cheminée aussi, parce que je sais pas vraiment quoi mettre. Tout ce qui est table basse et tout, ça vous allez me dire oui, c'est logique. Mais bon, à part ça, je mettrais peut-être une cheminée. Mais bon, le problème de la cheminée, c'est que si je la mets là, j'ai peur qu'elle me gêne, ou comme ça. Ou sinon, je fais une cheminée à peu près ici. Ouais, on va commencer d'abord par craft la cheminée. Pourquoi la cheminée? Parce que bah, c'est comme ça. Ah ouais, mais on peut pas mettre de feu, donc je pourrais pas l'essayer tout de suite. Donc on va faire un truc à peu près 1, 2, 3, 4, 14, 14, 14. Ça fait du 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça voudrait dire qu'on se la mettrait ici, notre cheminée. Voilà, donc vraiment une. On va se faire une cheminée de deux. On va utiliser pas mal de quartz, je pense, parce que c'est joli le quartz. Ça passe partout. Puis moi j'aime bien le quartz. Alors par contre, je sais pas trop quoi utiliser dans le quartz. Je vais voir déjà si on peut faire. Tac, il me faut des demi-dalles, il me faut les escaliers. Il me faut des blocs comme ça et des blocs comme ça. Ouais, c'est tout. Vu que on peut faire nos blocs, je vais voir si on peut faire des blocs de. On peut pas. Cela on peut pas, mais cela on peut. Comme ça, comme ça. Après on fait des cubes. Voilà. Donc déjà on va se faire un peu une cheminée un peu cool. Donc on va faire comme ça. Comme ça. Merde, je les ai mis où? On va se faire comme ça, comme ça. J'hésite si on se fait un petit truc. Parce qu'on va mettre des grilles devant, hein, c'est pas le problème, mais c'est vraiment pour. Attendez. On va se mettre une table de craft à côté de nous, parce que sinon ça va être un. Je fais cette vidéo au feeling, puisqu'il y a. Je regardais un peu avant, et il s'avère qu'il n'y a pas de. De moult. Idées.
de décoration sur sur YouTube, donc bon, c'est pas plus mal d'un côté comme ça. Est-ce qu'on peut mettre non mince, est-ce que ça fait, ça fait pas joli non plus. Ici l'avantage c'est qu'on pourra mettre quelque chose derrière. Ah bah, on va pouvoir mettre ça, 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 voilà. Ou sinon on se met soit cela, soit cela. Ah, style un peu à la Wall Again to Beast to Fly. Donc, tac, tac. Ça fait pas super joli non plus. Si on fait comme ça et qu'on met juste un bloc blanc. En fait, j'essaye de faire un truc un peu joli parce que le quartz, tout le monde l'utilise pas pour faire de cheminée. Je voudrais tester de faire ça, mais comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait un peu bizarre. Ça fait joli quand même, ça a de la gueule. Non, mince. Ça fait des demi-dalles en fait, ni plus ni moins, mais je sais pas pourquoi je les ai pas mises avant, les demi-dalles. Bah, si je suis un peu bizarre. Tac, tac, voilà. J'étais un peu loin. Attends, ça fait vraiment cheminée de pop-up quand même. Hein. Ça fait cheminée qui pèse dans le game. Hein. Est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Je sais pas ce que vous en pensez de cette cheminée là. Genre. Pourquoi il y a ça comme ça? Je me disais aussi, ça fait vachement bizarre. Peut-être se mettre des grilles. Par contre, je sais pas si. Si je mets gris, non, il va pas me les trouver, c'est ce que je pensais. Parce que c'est un peu la merde de chercher un objet d'amphidébiste, hein, sincèrement. Oh, c'est des barreaux en plus. Que je suis une bête. Voilà, et ça on le met pour les petits enfants. Pour les petits enfants. Oh non, ça fait pas joli, autant qu'on laisse plutôt les barreaux comme ça. Manière on peut pas passer, donc comme ça au moins ça fera assez joli. J'espère que ça fasse trop blanc par contre. Et on arriverait où? Parce que sinon j'ai peur qu'on va être obligé de la faire en brique, la cheminée. Oh! Et si ça on n'est pas bon là? Si là on n'est pas bon, je comprends pas. Ça fera un truc bizarre par contre. Ouais, ça ferait relativement bizarre parce que je sais pas si je la mets vraiment en brique ou plutôt en truc blanc comme ça. Bon, pour le moment, on va faire comme ça et puis après on modifiera par la suite. Hein. Je ferai le reste en hors caméra. Je la trouve quand même relativement jolie, hein, notre cheminée. On n'est pas trop dégueulasse. Par contre, est-ce qu'on peut. Ah ouais. Il n'y a pas le feu, je demanderai à Cracky qui nous mette la possibilité de pouvoir faire du feu. Donc déjà là, notre cheminée, elle est belle quand même. Enfin, elle est balèze. Vraiment balèze quand même notre cheminée. Je l'aime bien. C'est pas courant, c'est tout en ivoire, c'est pas courant du tout. Déjà parce qu'on est dans Feed the Beast, donc c'est peu probable qu'au Vanilla, il y ait une cheminée comme ça. Mais bon voilà, moi je l'aime bien. Maintenant, on va. Ah non, mince. J'ai pété le bois qu'il fallait pas. Alors là, mesdames et messieurs, on va s'amuser. Parce que c'est dans quoi, le bois? Là. Et c'est plus bas encore. C'est
Celui-là, je crois. Ouais, voilà. Donc là, on va faire notre petite dalle. Ici, on mettra peut-être des bibliothèques, mais je sais pas. On va se faire ici notre petit canapé en angle, je pense. Alors, pour faire notre canapé, puisque faut trouver des idées, je vais essayer d'utiliser des matériaux qui sont utilisables en normal, pas que du matériau Feed the Beast. Il va nous falloir, alors ça, soit on le fait en traditionnel bois, donc du bois coloré qui peut être pas trop moche, puisque moi je l'aime bien. Mais après, les goûts et les couleurs, voilà. Alors, soit on se fait quelque chose dans ça, et puis ça, tac, ça fait un comment on appelle ça? Un... Ah, bah voilà, voilà, ça va être un canapé comme ça. Sauf qu'on va changer les matériaux, bien sûr, puisque... On va pas le faire avec ça. On va le faire avec des blocs blancs. Alors, je sais par contre, faut pour la couleur du canapé, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on peut tester, hein, on peut tester un gris marron. Faudrait voir si ça s'accorde bien ensemble. On peut essayer. On peut essayer, hein. On n'est pas non plus Ah, mais c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse ça, laine. Tac. Et tac. On est déjà combien? Attends, on est déjà 11 minutes de vidéo. Manière, il n'y a pas de trop de trucs à faire dans cet épisode, donc ça va. Ça. Oula, j'aurais peut-être pas dû en prendre de temps. Voilà, ça. Maintenant, on va faire ça. Ça. Ça, voilà. Non, rends-moi ma super scie, s'il te plaît. Merci. Alors, le canapé, nous allons nous le faire. On va le commencer ici. Donc, on va se prendre déjà. On va le commencer ici. Tac. On va juste casser celui-là. Ouais. Donc, merde, je suis un peu imbécile. On pourrait faire ça. Ça. Ça, hop, 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 ça. Ça. On va mettre. Nos trucs comme ça. Ça, ça. Oh. C'est un peu bugué. Est-ce qu'on se l'avance encore un peu? Ce canapé. Genre, d'une de. Ouais, voilà, une de plus, voilà. Comme ça fait un canapé quand même qui a un peu de gueule. Hein. Donc là, on a fait un de. On devrait faire que deux plutôt. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là. Et puis mettre quelque chose comme ça. Non. Il faudrait que je fasse juste des points. Enfin, des points. Le problème, c'est que. Hop, 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 hop. C'est pas aussi facile. Ah voilà, c'est ça que je voulais faire. Puis on va s'en faire avec des trucs gris comme ça. Tac. 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 Voilà. Alors. Hop, 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 hop. Alors, ici on a. Non, j'aurais peut-être dû le décaler. Non, on va commencer par faire. Dalle. Je veux. Je voudrais faire une. Table basse d'abord, on va commencer par la table basse. Donc, je me suis dit, autant faire une table basse, on va péter ça. Autant faire une table basse comme ça, parce que bon, c'est pas un matériau qu'on recroise non plus tous les jours. Peut-être alors, on va se la mettre en face déjà. Tac, voilà, donc pour ça, alors on va faire nos petits trucs, là. Là, 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 là. Est-ce qu'on surélève encore un peu? Ouais, un peu plus haut, histoire de faire un peu plus canapé. Alors, ça et ça. Voilà. Ça fait peu canapé quand même. Ça fait un peu bizarre.
Je pense qu'on va utiliser la bonne vieille technique des escaliers parce que ça c'est pas hyper hyper top. Alors il nous faut le bois qui est ici et on va prendre des escaliers. Par contre on peut se le faire dans un... Soit on se le fait saumon, on va tester saumon. Si tu peux partir toi, tac 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 tac. Qu'est-ce que vous en pensez de saumon? Ça peut faire un peu bizarre. Moi j'aime bien, c'est pas totalement moche. Ou avec ce matériau. Ouais, ça se met. Bah, ça se met en accord en plus avec. Avec la table basse. Ça rappelle un peu les couleurs table basse. Il nous faut les pancartes. Voilà. Bah non, je suis bête. Non, on va prendre ça. Hop. Voilà. Et. Les pancartes ou les tableaux? Parce que. Dans les premières pages de Feed the Beast, on a le petit tableau qui fait des... Comment on appelle ça? Des super accoudoirs. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pages dans Feed the Beast, et avant de le trouver, c'est pas le tableau, c'est juste pour poser un objet dedans, mais ça fait des accoudoirs un peu jolis. Enfin, un peu jolis, même beaucoup jolis. Le problème de ce Feed the Beast là, c'est qu'il a pas tous les éléments de décoration. C'est un peu triste parce que ça aurait pu faire des maisons vraiment très 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 jolies. Je vous conseille un jour de tester les modes avec comment on appelle ça? Avec les éléments de décoration. Vous verrez, ils sont vraiment très très agréables. Ouais, voilà, agréable. Non, on va mettre des pancartes parce que je les trouve pas. Et puis si je les trouve, je vous joue, comment on appelle ça? En plus, ça fait une différence de couleur avec les pancartes. Je trouve ça pas trop dégueulasse. Voilà. Donc là, on a notre petit, comment on appelle ça? Mince. J'ai perdu le nom. Salon avec notre entrée. Et ici, j'y mettrais bien des bibliothèques. Des vraies bibliothèques. Bibliothéquées. Avec du bois comme ça des enceintes, mais c'est des jukebox. Voilà, je crois qu'il y a que, enfin il y a les autres, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah voilà, tac tac tac, voilà, comme ça, ça fait un coin en même temps pour écouter la musique et pour la lecture. Et on va y mettre des planches. Alors on va opter pour un bois assez clair, assez paisible, pas du tout agressif, puisque c'est vraiment pour la lecture, c'est plus détente. Un truc qui montre qu'on est bien, quoi, une couleur qui montre qu'on est bien. Et une autre couleur que les bois qu'on a utilisés juste à côté. Alors, on a le choix avec le saumon. Ah, un saumon. Je les trouve vraiment jolis. Voilà. Tac, tac. Voilà, hop. On est bien. Non, on va plutôt se faire un truc comme ça. Je suis en train d'essayer de me faire un bon petit truc. Ah ouais. Un truc comme ça. Plus près peut-être. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est ça que je... Oh là 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 là, quel crétin. Eh oui. Plus besoin de pancarte, je ne pense à ça. Non, par contre, si on fait ça. Ah, il veut pas me le faire pour que de deux. Je suis pas ton radin. On va devoir s'agrandir un peu les canapés. Je teste ça avec vous. Hein. Tac, tac. Tac. Ouais, mais ça fait pas super joli si on met. Ça aurait pu faire des fauteuils si on pouvait se mettre que de 1. Ouais. Ou sinon, on va essayer de tricher un peu. C'est quoi ça comme truc? C'est du. Tiac. Tiac, c'est ce bois-là. On va essayer de tricher un peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Parce que. Nous sommes des tricheurs dans la... Ah bah bien sûr, celui-là on peut pas le redécouper. Oui, bon bah là on peut pas. Ça c'est triste. Ou sinon faut qu'on fasse des trucs de 3. Si tu veux bien juste bien te mettre. Voilà. On va mettre des trucs de 3.
Ah ouais, sinon on a qu'à tricher et le mettre plus ici. Pour vraiment mettre quelque chose. Oh, ça fait un peu excentré quand même. Tac, 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 tac. Voilà. Ça fait... Oh, ça fait... Ça a de la gueule quand même comme ça. Voilà, ça a un peu de gueule. Je suis juste un peu déçu pour celui du milieu. Parce que il est vraiment un peu... Pas très bien quoi. C'est quand même triste. Mais bon. On va laisser comme ça. Voilà. Là on a notre petit coin lecture. Avec, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement. Non, je déconne. Je pars un peu en cacahuète. Je cherche les demi dalles de ce bois. C'est du LALAR. Ah voilà. Oh, on a même les matériaux qui vont avec, dis donc. Pourrait les... Non. Non, je suis bête, autant mettre quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est notre petit élément de décoration. Les tapis, ben, il n'y en a pas. Enfin si, mais il faut les faire nous-mêmes avec de la laine. On se met quelle laine? Alors soit on met trop de rose et ça a pas fait, ça a fait un peu spécial, soit on essaye de contraster. Oui, contraster. Et on pourrait mettre. Et j'ai peur que si on met de. On peut tester avec de la laine rose pour voir ce que ça donne. Un tapis rose. Je crois que c'est jamais vu. Je crois qu'il n'y a que chez Barbie qu'ils ont des tapis roses. Mais même eux, ils oseraient pas, je crois. Ouais, même eux, ils le feraient pas. T'sais. Et si Barbie regarde ma vidéo, elle va me dire métier taré. Métier taré. Tac, tac, eh ben ça fait plutôt joli. Comme quoi, même les couleurs un peu spéciales, ça fait vraiment. Ça fait joli. Voilà, moi j'aime bien. Et on va même se mettre une. Ouais, mais trop de rose, ça va faire un peu abuser après. Hein. Si on se met une table rose là. Sinon, on se la met au milieu. Non, on va se la mettre sur le côté si on veut poser des objets. Voilà. Donc là, ça fait vraiment la pièce assez au calme. On est déjà 22 minutes de vidéo. Donc voilà. Avec le salon quand même, les jukebox et tout, quand on rentre ici, ça a de la gueule quand même. Ça a beaucoup plus de gueule. Là, ça nous laisse le passage ici pour prendre l'ascenseur. Et puis là, ça fait une pièce un peu à part. Un peu là, on est vraiment là, ici, les gens parlent, le feu et tout. Et puis là, c'est vraiment pour lire au calme, même mettre de la musique ou vraiment des trucs comme ça. Par contre, il y a les jukebox et les notebooks de mémoire. C'est quoi ces machins? Je sais même pas sur quoi ça se met en plus. Bref, c'est pas grave. On va tester pour voir s'il n'y a pas Iron Nut Block. On peut faire des blocs en iron? Oh, c'est stylé! Ça a de la gueule quand même. Ça c'est un Red Notebook ou sinon il y a Jukebox. Ouais, et il n'y a que lui en Jukebox. Voilà. Donc non, ça a quand même plus de gueule. Hein. Ouais, ça a de la gueule. Ici on peut laisser comme ça. Je mettrai une cheminée, je demanderai à Ben qu'il mette le feu. Puis au pire, je mettrai la cheminée en haut si vraiment vous trouvez ça joli. Donc voilà, ça fait vraiment joli. Voilà, on a fait le coin de lecture, le salon, la cheminée. Voilà, ici c'est l'avantage d'avoir des grandes pièces. Pour le prochain épisode, je sais pas encore ce qu'on va faire, mais moi je vais vous dire. Ah bah, on a oublié un truc en plus. On est bête, on est bête, on est bête. Enfin, je suis bête du coup parce que vous. Vous êtes intelligent. Par contre, je sais même plus dans quoi ça se trouve. Là-dedans, je crois. Peut-être une petite loupiote, quand même. Voilà. Ça fait joli, quand même, avec une loupiote.
Alors soit je la laisse de ce couleur, soit ouais de ce couleur c'est bien. Avant ici il y avait les... Comment on appelle ça? Je sais plus où est-ce que ça se trouve. Il y a ça aussi, c'est bien pour faire un bureau. C'est carrément un bureau. Mais bon, on le fera plus tard si vous êtes gentil. Peut-être là-haut on se fait un bureau. On se fera un bureau là-haut. Voilà. Donc avec la petite loupiote qui est vraiment agréable. Donc moi je vais vous dire peace, ragez pas trop, à la prochaine et puis.